Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Nous sommes toujours le samedi 25 septembre et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira donc ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs. Le prêt à taux zéro renforcé qui rentrera donc en vigueur dès début 2011. Autre sujet que nous aborderons dans cette édition, l'évolution des statuts d'occupation des logements en France. Quelle est donc la situation des propriétaires et des locataires depuis ces dernières années? Les détails dans quelques instants. On poursuivra avec un réseau immobilier qui s'est fortement étoffé ces dernières années. ERA Immobilier qui est aujourd'hui présent dans 17 pays en Europe et qui met à votre disposition plus de 40 000 biens en France. On vous emmènera ensuite à l'étranger, cette fois-ci du côté de Moscou, où comme vous le verrez, le marché de l'immobilier est particulièrement enfiévré. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Allez, on commence tout de suite par l'information du jour. Le gouvernement envisage de mettre en place un prêt à taux zéro renforcé dès début 2011. Contrairement à un prêt à taux zéro actuel, ce nouveau dispositif sera attribué donc aux acquéreurs d'un premier bien immobilier sans condition de ressources pour compenser la disparition du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Dans une interview accordée au quotidien Les Échos, la ministre de l'économie Christine Lagarde précise donc que l'aide sera accentuée pour les faibles revenus, les zones géographiques d'habitation en forte tension et les achats dans le neuf. La ministre précise également que ce projet vise à simplifier et rendre plus efficaces les aides fiscales à l'accession à la propriété. C'était une nouvelle donc plutôt intéressante qui intéressera tous les primo-accédants qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier dès le début de l'année prochaine. Notre dossier enquête maintenant. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, les statuts d'occupation des logements en France ont beaucoup évolué ces dernières années. Parmi les grandes tendances observées donc par le CREDOC, on constate une dégradation sur le long terme à l'accès au logement et des propriétaires aujourd'hui plus nombreux que les locataires. En ce qui concerne les difficultés à l'accession au logement, elles concernent tant les propriétaires que les locataires. De 1988 à 2006, la proportion de ménages propriétaires de leur logement a baissé de 47% à 37% pour les plus pauvres. Quant aux classes moyennes et catégories socioprofessionnelles aux revenus élevés, le nombre de ménages propriétaires n'a augmenté que de 7 à 11%. Tandis que les aides de l'État profitent aux primo-accédants, la situation des locataires se dégrade et l'écart entre propriétaires et locataires se creuse toujours un petit peu plus. Allez, je vous propose maintenant de parler succès, celui d'un réseau d'agences immobilières, ERA Immobilier, qui ne cesse de se développer dans le monde entier. Véritable figure professionnelle sur le marché de l'immobilier, ERA Immobilier est présent en France avec un portefeuille de plus de 40 000 biens, mais aussi en Europe puisqu'il est déjà présent dans 17 pays. Précurseur en la matière, ERA Immobilier propose d'ailleurs en exclusivité un nouveau système d'estimation de bien grâce aux dernières technologies en proposant 4 niveaux d'expertise. Vous en saurez davantage le 11 octobre prochain dans les 350 agences ERA Immobilier. Alors retenez bien le nom de ces réseaux et rendez-vous tout simplement sur leur site internet www.erafrance.com. Partons désormais, comme promis, à l'étranger, du côté de Moscou, une des villes les plus chères au monde. Pour preuve, 3 millions d'euros pour 260 mètres carrés, soit 12 000 euros le mètre carré dans le centre historique. L'annonce de ce prix tout à fait moyen pour le centre de la mégapole illustre la fièvre du marché immobilier russe. À Moscou, chaque mètre carré s'arrache à prix d'or. Cette terre fertile pour les investisseurs ne facilite malheureusement pas la tâche à ses habitants qui doivent s'armer de patience et être ingénieux pour essayer de se lotir dans la ville. On passe maintenant à quelques brèves pour terminer ce journal. Le groupe acheterlouer.fr a lancé donc son web magazine immobilier. C'est fait, diffusé dans les boîtes mail des particuliers à raison d'un million de foyers ciblés tous les 15 jours. Il est désormais disponible sur iPad et tablette numérique. L'intérêt est très clair. Favoriser l'interactivité entre le potentiel acheteur et l'agence immobilière tout en s'affranchissant des distances pour aller
à l'essentiel. Sujet d'actualité maintenant, à l'approche de la retraite, bon nombre de seniors souhaitent rester chez eux plutôt que d'être placés dans un établissement spécialisé, on les comprend. Le groupe Marianne Développement a donc mis en place 3 nouveaux programmes intergénérationnels 100% locatifs afin de répondre à leurs souhaits. Ce concept d'habitat social permet aux personnes âgées de louer des logements adaptés à leur état physique. Quant à la particularité de ce programme, elle consiste à faire cohabiter les seniors avec de jeunes couples, éligibles bien sûr au logement social, ainsi que des personnes à mobilité réduite. Pour plus de renseignements, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site www.marianne-development.com. Voilà, c'est la fin de ce journal d'acheter-louer.fr en direct du Salon de l'Immobilier de Paris, Porte Champéret. Je vous le rappelle, en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Dans quelques instants, vous allez retrouver la charmante Gaëlle Copienne avec ses interviews. Moi, je vous retrouve avec plaisir dans une heure pour un nouveau journal complet. Alors, à tout à l'heure.